suis conseillère. Non, c'est de conjuguer tout ça avec nos partenaires et nos partenaires sont... Je ne sais pas si le chômage provoque des pathologies singulières plus que d'autres formes d'inactivité ou d'activité d'ailleurs. Mais en tout cas, du mal-être, ça c'est sûr. C'est pas de la maladie mentale non plus, mais c'est du mal-être. Et là, c'est tout ce qu'on développe et, comme intervention collective, comment le collectif peut aussi favoriser la mise en branle de la résilience de chacun. Ça, c'est vraiment important. L'accompagnement psychologique, il n'est pas justifié pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on a besoin d'un accompagnement psychologique. Après, on peut être effectivement tellement dans une baisse d'estime de soi qu'on a besoin d'être un peu reboosté. C'est pour ça qu'on a une action booster d'ailleurs. Oui, mais c'est pas obligatoirement de l'accompagnement psychologique. Voilà, voilà. Ça peut être... Une action citoyenne, ça peut être d'être bénévole, ça peut être de reprendre sa place dans sa famille à 100%, enfin voilà. Non, il faut surtout, j'ai envie de dire, il faut surtout pas aller vers une psychologisation de la précarité ou du chômage. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une palette de solutions. Et peut-être que la première solution, c'est le regard qui est posé sur la personne et qu'elle pose sur elle-même. Quelles sont les difficultés que vous observez le plus ? C'est effectivement les difficultés financières. Et là, on a toute une palette, j'allais dire, de réponses possibles, mais qui sont quelquefois, enfin même souvent insuffisantes, hein, surtout en région parisienne où le logement, par exemple, coûte très cher. Donc les difficultés financières, les difficultés d'accès au logement social, parce qu'il y a des gens qui sont dans le logement privé et qui coûtent encore plus cher que le logement social. Les difficultés, bien sûr, de retour à l'emploi, parce que ce n'est pas la moindre des choses. Dans le contexte socio-économique dans lequel on est, le retour à l'emploi, c'est quand même pas... c'est pas juste du registre de la personne elle-même, de ses capacités, de sa volonté. C'est aussi l'offre qui est quand même défaillante. Et je pense que ça, c'est tout de même important. Et c'est important de le dire parce que souvent, les demandeurs d'emploi se disent, en gros, et la société leur renvoie. C'est de votre faute, quoi, en gros. Hein, vous n'y mettez pas assez de mobilisation. Donc voilà, je pense que sur le registre de difficultés, oui c'est ça, c'est les financiers, l'accès à l'emploi, c'est aussi le registre familial, c'est-à-dire les difficultés conjugales, les difficultés parentales, les difficultés familiales, que ça génère à l'intérieur de la famille, on va dire nucléaire, la famille parents-enfants, mais aussi les grands-parents, parce que quand quelqu'un est au chômage, la famille élargie est touchée aussi. Et quels sont les dispositifs d'accompagnement que vous proposez ? L'accompagnement individuel, hein, l'accompagnement individuel qui est au cœur de l'action sociale. Voilà, c'est entendre la personne, la soutenir, élaborer un projet avec elle, construire les étapes. Je crois que la dimension individuelle, en tout cas dans l'action sociale, elle est au cœur de notre métier, mais aussi la dimension collective, c'est-à-dire mettre en place des collectifs d'usagers, d'acteurs, de chômeurs qui vont contribuer à développer des politiques, qui vont participer à la construction des réponses. Je pense que voilà, il faut qu'on se décale un peu progressivement de penser que nous avons tout le savoir-faire. Il faut qu'on s'appuie plus sur le savoir-faire et l'expertise d'usage des chômeurs et des demandeurs et des gens qui sont à la recherche de travail pour aussi s'appuyer sur leur expérience et leurs ressources. Et je pense que le collectif est vraiment un lieu de ressources pour des personnes. Alors c'est pas, là aussi, ce n'est pas un passage obligé, bien évidemment, mais ça peut être une solution pour éviter aussi l'individualisation. Je pense qu'on est dans une société où on est de plus en plus individualisé dans toutes les réponses et toutes les solutions qu'on doit trouver et que le collectif, il peut venir un peu étayer la personne. Redonner par le biais de l'individuel et du collectif la confiance en soi, faire émerger toutes les potentialités, toutes les ressources qui sont à l'intérieur de la personne. Quelquefois sont assez enfouis parce qu'il y a tellement de problèmes qui sont arrivés comme un millefeuille par au-dessus. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est tout ce que nous faisons pour faciliter la mise en relation avec des institutions avec lesquelles, je dirais,
c'est peut-être de moins en moins facile pour certaines personnes de rentrer dans leurs droits. Et je pense voilà, à toutes les institutions qu'on connaît, que peuvent être Pôle emploi, la CAF, la CPAM, et où les nouvelles manières de faire, notamment qui passent beaucoup par l'informatique, éloignent d'autres personnes du lien facile avec ces institutions. Et de fait, ils sont un peu obligés, et ça on le déplore un petit peu, parce que ça, c'est quand même pas en faveur de l'autonomie, hein, ils sont obligés de passer par nous, Action Sociale, pour qu'on fasse lien avec ces institutions-là et qu'ils retrouvent leurs droits. Voilà. Ça, c'est un aspect important de notre action en ce moment, parce que voilà, tout le monde va vers l'informatisation, la modernisation, dans toutes sortes de registres, et ça met des gens vraiment en difficulté. Notre action à nous, c'est de rentrer, enfin on le fait beaucoup, nous, toutes les deux, de rentrer en lien avec la Caisse d'allocation familiale, avec la CRAMIF, avec la CEPAM, avec Pôle emploi, de façon à se dire comment on résout ces problèmes-là. Comment, voilà, qu'est-ce que vous créez, vous? Qu'est-ce que nous créons, nous? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour lever ces difficultés-là? Quel dispositif faudrait-il améliorer pour fluidifier le parcours des personnes vers un emploi qui leur corresponde? Alors, il y a certainement la dimension partenariale. C'est ce que développait Mme Nicolas Lepape, c'est-à-dire les articulations, les passages, les intermédiations. Après, il y a la question économique, hein, qui reste quand même centrale. On n'est pas dans un mouvement très optimiste sur la dimension économique de création d'emplois. Et puis, il y a peut-être aussi comment aider les personnes à comment faciliter la création d'entreprises. On voit bien, hein, il y a de nombreux allocataires du RSA qui ont pris l'initiative de créer leur entreprise et pour autant, ils n'arrivent pas à avoir une activité économique suffisante. Donc là, voilà, il y a peut-être des perspectives autour de la création d'entreprises, du soutien au développement économique qui pourraient être plus actifs. Voilà à quoi je pense là. Il y a aussi toutes ces associations, parce que quand on a perdu pied avec l'emploi, je pense qu'effectivement c'est important d'y retourner quelquefois progressivement, en tout cas d'être autorisé, de se sentir autorisé à y retourner progressivement, parce que c'est pas rien quand on a perdu l'habitude de se lever de bonne heure le matin pour aller au travail, c'est pas rien de retrouver cette dynamique là. Et donc on a toutes ces associations, les structures d'insertion par l'activité économique qui permettent de reprendre pied progressivement. Et je dirais, dans le même registre que ce qu'évoquait Agnès Gardini tout à l'heure, c'est-à-dire changer le regard des gens, peut-être aussi changer le regard des employeurs et qu'ils se disent que la motivation, c'est aussi autre chose que les diplômes. C'est-à-dire que... si on arrive à faire émerger la motivation chez quelqu'un, bah peut-être faut lui permettre de reprendre pied avec le travail d'une façon un peu plus progressive que quelqu'un qui n'a jamais perdu pied et qui arrive et qui ipso facto se glisse dans les chaussures qu'on veut lui voir prendre pour exercer cette fonction-là. Donc un petit peu plus de, je ne sais pas si on peut appeler ça tolérance, mais en tout cas de regard bienveillant sur ces gens pour qui ce n'est pas si facile. Et on le voit, on le sait par exemple dans l'entrée dans le RSA. On sait que les gens qui vont en sortir le plus facilement, ce sont ceux qui sont entrés depuis moins de 6 mois. Les autres vont en sortir. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas plongés dans le RSA pour des dizaines d'années, mais pour autant, c'est plus difficile. Donc il faut que chacun y mette un petit peu, je veux dire, nous, Action Sociale et Insertion, on déploie tout ce qu'on peut, mais dans le registre de l'économique et de l'emploi, il faut aussi qu'il y ait voilà, un autre regard peut-être sur ces personnes qui sont à la recherche d'emploi et qu'on leur permette d'y entrer un peu plus progressivement, qu'on soit un peu plus attaché à leur démarche qui n'est pas simple, qui est loin d'être simple.